Allô? Bonsoir, il y aura... Ah si, ça a marché. Incroyable. Je crois que j'ai fait des trucs bien sans le faire exprès. Bonsoir Fagnot, on est de retour exactement là où on s'était arrêté. Avec la nouvelle partie du jeu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hamburger. Eve, vous savez ce que c'est... Attends. Vous savez ce que c'est, un burger? Oui. Il paraît qu'on en trouve au royaume de Deliria. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un goût exquis. En tant que cuisinier, il faut que je goûte ça au moins une fois. Bah super. Pas activer le son de Twitch, bon, tu t'en serais rendu compte assez vite. Mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je me rende au royaume de Deliria. Je suis pas très rassuré, venez avec moi. Ok. Non. Ah d'accord, il y a vraiment un système de quête maintenant. Trop bizarre, et Mega Crash qui est là aussi. Ah mais c'est une quête aussi. On sait exactement ce qu'il me faut. Ouais, hamburger qui cherche un hamburger, j'allais dire c'était bizarre comme coïncidence. Avec ça, je vais devenir super fort. On va se prosterner à mes pieds et m'offrir le plus beau cadeau. J'entends déjà les foules de fans hurler mon nom. Ah, stylé, bien joué. Merci, merci. Mais que voulez-vous, ce n'est pas facile d'être moi. Ah, ça fait longtemps que vous êtes là? Je suis Mega Crash, l'explorateur. J'ai un petit truc rien que pour vous. Au royaume de Feyrek, il y a un grand lac couvert de lotus. Et bien récemment, des monstres rares y sont apparus. Vous demandez peut-être ce qu'ils ont de si special. Et bien, il paraît qu'en les affrontant, on devient super fort. Clairement. Du coup, je dois abandonner? Ah, c'est chiant un peu. Bon, bah écoute. Voyons voir ce que ça donne. Faut qu'on aille à gauche, du coup. C'est là qu'est la quête, c'est ça? Ah, oui, ça a l'air. Oh, Squadala de retour! On peut les mettre dans les bateaux. Ah! Je savais pas que les araignées, ça passait dans les bateaux. Ou alors les araignées classiques, peut-être pas, je sais pas. En avant! Salut Squad! Exactement. Exactement, on vient vers toi, t'inquiète. Oh, c'est tout blanc! La neige est si légère! Si douce et si poudreuse! Ça signe rien, pardon. T'as pas rêvé? Non, non, t'es là! T'es sur la map, on va dans ta direction là. Ou alors qu'est-ce que. C'était quoi? Viens, on va faire des anges dans la neige! Eh, super! Super! Réussi, oui, effectivement, bravo. GG. Mais il faut attendre quelques petits niveaux, je crois, pour y arriver. Oh, les pingouins! Oh, ils sont tous stylés! Mon champi. Oh. Oh, les Pokémon, quoi. Ça passe pas dans les bateaux, il me semblait. Bon, allez, va. C'est mignon et tout, mais on les tabasse, hein. C'est mignon et tout, mais c'est un peu trop vivant à mon goût. J'ai pas pu attaquer? Est-ce que c'est... C'est en combat automatique, là? Ah oui. Oups. Bon, c'est pas grave. Allez, bim. Oui, ça compte déjà. En vrai, c'est déjà plutôt pas mal comme coïncidence, mais... En général, dès qu'on arrive sur une nouvelle map, et là c'est la première fois qu'on vient dessus, t'es souvent par là, quoi. Moi qui pensais qu'on allait plus te revoir, vu que je pensais que c'était la fin avant. Finalement, on est servi. Alors que je change de team après aussi. Bien sûr qu'on ouvre, tous les jours, quoi. Jus de crapaud. Bon, elles sont plus petites, c'est vrai. C'est quoi encore? L'équipe commence à fatiguer. Ben, faites un petit camp, là. Fais un peu attention, parle pour toi. Oh non, oh putain. Oh. Maintenant, tu pourras calculer ton coût. Et oui, à mon avis, c'est les deux dernières. Ah, peut-être qu'il y aura une troisième dernière map. Je sais pas. J'en sais pas des masses, mais encore quelques occasions. Dans le doute, vraiment, reviens à tous les lives, sub pour être au courant de tout. Et oui, ça permet d'être au courant de tout. Ça marche par Bluetooth vers le cerveau. C'est totalement sain pour le corps, évidemment. Et en plus, ça apaise l'esprit de sub et de dépenser de l'argent qu'on a en trop, quoi.
Allez, ah voilà, il bannit quelqu'un directement. Ça, ça met très très bien. Oh là là. Vois-moi ! La boue pour le marais, ouais. Bah oui, on aura tous besoin d'une puce 5G. T'as pas été vacciné pour le Covid ? On a tous notre 5G, quoi, maintenant, c'est vraiment la mode. Je suis en train de lancer des sujets, là. On lui a fait sa fête à ce bâtard de Captain Suisse, l'avatar du mal. Mais y a pas de quoi se réjouir. Ouais. La grande sage Alicie est devenue... un avatar encore pire, hein, l'avatar du pire. Hein. Et tout ça, c'est parce que vous m'avez protégé, pardon. Allons, Dadley Bob. Ne sois pas si dur avec toi-même. Ensemble, nous allons aider Alicie. Je sais qu'on peut y arriver. Hein. Ouais. Merci tout le monde. Si tu tombes malade, là, apparemment, le Covid serait pas mal. Oui, apparemment, le Covid est revenu en force, là. Hein. Où il y avait du monde. Bon, après, c'est pas autant virus... Enfin, c'est pas autant la merde qu'à l'époque, je pense, mais... Effectivement. Moi, j'étais à une soirée le week-end passé où... j'ai une pote qui est là. Ah ouais, j'avais le Covid la semaine dernière. Non, genre, la semaine même. J'étais là, ah bah, stylé. On était une dizaine dans un petit appart, mais bon. On n'est pas tombé malade, donc voilà. Partons à la recherche de l'avatar du pire. Sauvons la grande sage Alicie. Et ramenons la paix à Mitsopian. Trinquons au commencement d'un nouveau voyage. Santé! Oh la team. Bah, j'espère que tu as pu choper encore ça, bien sûr. Salle de ciné bien remplie. Ah, t'es allé voir quoi? Est-ce que tu es allé voir Vice Versa 2 par hasard? Le catalogue vient d'arriver. Consultez-le à partir du menu. Oh! C'est un peu le seul film que je sais qu'il y a en ce moment, donc... Non, il y a quoi? Il y a le truc de Pierre Ninet, là, Monte Cristo aussi. C'était ça. Mais je vais sûrement le voir ce week-end, d'ailleurs. Il était bien? Oh là là, il coûte tellement cher, maintenant. Oh. Ça, c'est pas très beau. On a juste pas assez de thunes, c'est incroyable. Ça peut se tenter. C'est rapiécé, ça ne vaut rien, ça dégage. Ah ouais. Tac tac tac. Vraiment avec Dark Vador quoi. Waouh, délice ultime. À qui on va filer un délice ultime? Qui a besoin de... Qui a besoin de trucs en vrai? Ah, Jérémy, c'est les stats où il a pas beaucoup. Jérémy la princesse. Je pense que ça part pour Jérémy, allez. Oh là là, c'est trop bon. Très beau, et des touches d'humour que t'apprécies beaucoup. Ok, cool. J'ai revu le premier le week-end dernier, là, parce que je l'avais vu qu'une seule fois. Je l'avais vu au ciné, d'ailleurs, à l'époque. Très sympa, aussi. Trop sympa. Et qui veut de la poiscaille? Allez, Nebby. Je distribue un peu tout des gens random parce que j'ai aucune idée. Je fais plus attention aux stats là. Qui c'est qui a rien bouffé? Ma Fanny, t'as rien mangé. Allez hop. Allez, de la baffe de crapaud. J'avais oublié que c'était ça. Ouais, j'ai hâte de voir ce film en vrai. Ça me parle. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir un Disney au cinéma par contre. Je saurais même pas dire lequel j'ai vu en dernier. C'est une bonne question d'ailleurs. C'est quoi le dernier Disney que j'ai vu au cinéma en vrai? Genre film d'animation Disney. Il doit y en avoir un en vrai. C'est pas La Reine des Neiges, ça c'est sûr. Ni Moana. Ceux-là, je sais que je les ai vus plus tard. Je vois un peu genre classique d'animation Disney. Classique.
lequel t'as vu en dernier. Encore moins film d'animation. C'est vrai que film d'animation, à part les Spider-Man, qui sont incroyables, malgré que ce soit Sony, quoi. C'est vraiment l'exception de Sony que je veux bien aller voir. Attends, là, je suis dans les trucs de des années 40, c'est peut-être pas... Zootopie ? Je crois pas que je l'ai vu au cinéma. Les nouveaux héros non plus. Oh, wow, la vache, ça date de ouf, en fait. Putain, ça doit être Chicken Little, quoi, en 2005. Non, c'est pas possible. C'est que Pixar, là. Je me fais pranker. Mais attends, c'est quoi cette histoire ? C'est pas la liste que j'attendais, en fait. Moi, je veux Pixar et Disney, ouais. Donc c'est sans Pixar, pardon. Mais ça, c'est un classement, je m'en fous. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, petit. En vrai, j'en sais rien. Mais du coup, pas Pixar, ça doit être Chicken Little, quoi. Que j'avais vu en avant-première, je me souviens. Qu'il est nul à chier, ce film, en plus. Allez, hop. Le Spider-Man Spider-Verse, c'était juste Sony, non ? Oui. C'est ça. Tu dis les films d'animation, ouais, avec Miles Morales. Des très bons films, en vrai, mais... Ah oui, attends, il y a Inria et Diva qui se font salement la gueule, évidemment. Il faut qu'on règle ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme équipe ? Ah, que je vais te changer. Bah, j'aimais bien Chicken Little aussi, petit sur le moment, mais... En vrai, il est pas ouf. Il y a très peu de trucs mémorables, je trouve, dans ce film. Vous êtes niveau 15. Bah, tout le monde est niveau 15. Je crois que ça va partir sur... Flora comme support. Fagno pour les dégâts. Et on va prendre le rat. On va prendre Shadow. Ok. Ah mais oui, bien sûr, Indestructible 2. Je l'ai même vu deux fois au ciné. Parce qu'une fois, c'était pour... La deuxième fois, c'était pour un date, évidemment. C'était pas par pur plaisir. Mais en vrai, il était bien. Hein, mais... Allez, on arrive, Squad. On te voit sur la map, là. On y va. Ah, et voilà. Voilà. On fait une nouvelle équipe. Et direct, il va dans le trou, ce con. En vrai, les Pixar, il y en a quand même des récents qui sont pas mal, mais... Du point à aller les voir au cinéma, je suis pas hyper chaud, quoi. Mais par contre, ce que je me souviens, c'est mon tout premier film que j'ai vu au cinéma. C'était un Disney, et c'était l'Atlantide, le premier, là. Bon, je crois que le deuxième est sorti qu'en DVD, mais... Les mystères de l'Atlantide ? Non, comment ça s'appelle déjà ? Je sais plus, mais c'était trop stylé en vrai. Trop bien. Tout premier film que j'ai vu au ciné. C'était quand ça devait être en 2000, un truc comme ça. Mais où le site que je voyais pour les classiques d'animation Disney, là, ils l'ont viré ou... Ça y ressemble un peu. Ouais. Atlantide, l'Empire perdu. C'était en 2001. Ah ouais. J'ai pas du tout regardé. Il reste un bonhomme de neige, donc c'est pas la peine. On le déglingue. Tu sais que t'as vu la... Oh, la planète au trésor. Putain, c'est un banger. Qui est en 2002. Je pense pas que je l'ai vu au cinéma, celui-là, hein, par contre. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Je me souviens de l'Atlantide, parce que c'est... C'était vraiment mon tout premier film, mais après, les films d'après, j'en sais rien, j'allais pas souvent au ciné quand j'étais gamin. Un Alec a disparu, c'est pas grave, tant qu'on a encore un. Ouais, c'est pas grave. C'est le plaisir. Mais j'hésite aussi à le regarder, la planète au trésor, là. Je l'ai retéléchargé légalement, bien sûr. Wink wink. Et là, il est dans ma liste, il faut que je le revoie en vrai. Mais je l'ai revu plusieurs fois. Moi, j'aimais beaucoup Cusco quand j'étais gamin, c'était très drôle. Je le trouve encore assez marrant, en vrai. Je suis en train de voir la liste, hein, du coup.
Bienvenue chez les Robinson, tout le monde a oublié ça. Volt, pareil. Période un peu sombre de Disney. Vaiana. Vaiana, c'était sympa, mais j'ai un peu oublié. Les mondes de Ralph, il faut que je voie le 2 aussi. Allez, Renacle. Pas mal de films d'animation au cinéma. Pas de films d'animation Disney. Ouais, d'autres trucs, ouais. C'est pas plus mal en vrai. Il y a pas mal d'animés aussi qui passent au ciné, mais bon. J'en ai vu quelques-uns, mais si c'est pour voir des HS, quoi. C'est pas. Bah, ça dépend, ça dépend. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme films d'animation. À part les Spider-Verse. Là, comme ça, je vois pas trop. Vaiana, le 2 en novembre. Ah, c'est en novembre. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait de la pub. Bon, je sais pas si j'irai le voir au ciné, mais je le regarderai sûrement. Le dernier film, la Wish, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais pourquoi il n'y a pas une foutue collection qui est capable de me foutre Pixar et Disney en même temps, là? Je vais mettre film, animation, Disney. Bon, maintenant, on a deviné un peu la liste, mais... Ou les longs métrages. J'avais commencé une collection en plus, avant que le streaming devienne un peu légion, où j'achetais tous les DVD de Disney, et j'en ai encore pas mal en plus, et j'ai des trucs vraiment sombres. Bah, genre l'apprenti sorcière, les trois caballeros, Danny le petit mouton noir, que j'ai jamais vu du coup encore. Faudrait que je regarde par curiosité, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Ce que je sais, c'est que ça ne doit pas être raciste, étant donné que les Disney racistes ont été bannis avant qu'ils sortent en DVD. Mélodie du Sud, bien sûr. Reine de cheval squelette, c'est hyper rare, en vrai. C'est plutôt cool. Ah bah oui, DreamWorks. Ah putain, DreamWorks. Moi, je reste toujours sur le cul, quand même. Genre, le Chapeauté 2, pour moi, c'est vraiment... une anomalie pas possible, ce film. Hein. Et vraiment, genre, le Chapeauté 2, c'est le concept dont tout le monde se branle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ces babas ne se sentent pas très bien. J'allais dire, le Chapeauté 2, c'était vraiment genre le postulat, c'est tout le monde s'en bat les couilles. Mais le film est incroyable. Le film est trop trop bien. Ça n'a aucun sens pour moi. Qui nous sortait de la merde, genre Shrek 4, là. Je me suis refait tous les Shrek, j'ai pas refait celui-là, tellement ça m'intéressait pas. Du coup, je suis un peu hypé pour Shrek 5, en vrai. Hein. La maladie. Ok, bon, il est malade. Ah, du coup, on peut pas l'utiliser, c'est sale dos. Ah, merde. Oh non, ça me casse mes équipes. Bon, c'est pas grave, ça fera changer un peu aussi. T'as même pas vu le 4? Ah ouais, moi je l'ai vu, mais je t'avoue que je m'en souviens de rien du tout. Et le 3, je l'ai revu du coup, et ça va, mais sans plus, quoi. Ça commençait un peu à sentir le sapin. Bon, la seule vanne que je retiens de tout le film à chaque fois, c'est Merlin qui veut faire goûter son gratin de gravier, quoi. Il est un peu fou, c'est un peu rigolo, et puis voilà. Ah bah oui, Mario. Mario, je l'ai vu au ciné aussi, bien sûr. Très très bien. Je vais pas retenter, j'ai gagné une banane, ça m'a saoulé. Paf paf paf. On a quand même pas mal de thunes. Pas de tickets sortis. Alors, 4010. Et c'est en 4100. 3007, allez. On va pour 3007. Ah, et puis je me souviens d'un Disney hyper sombre que j'avais quand j'étais gosse aussi. Encore plus sombre, je pense, que la planète au trésor, c'est Taram et le chaudron magique. Ça, je l'avais la cassette. Et du coup, je l'ai racheté en DVD aussi. Alors, je m'en souviens pas tant que ça, mais je sais que c'était très sombre et très différent des autres Disney, en vrai. Taram et le chaudron magique. Ouais, tu l'as vu.
C'est genre un truc qu'on a vu dans notre génération, mais qui dont plus personne ne parle, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu un délire comme ça. Pas petit. Ah, ok, tu l'as vu plus tard. Ouais, hein, c'est différent. C'est un peu plus sérieux. Si l'épée de dragon est bien, tu la prends. En vrai, elle avait l'air assez classe. Ah, tu l'as déjà fini, le remake. Ah, en film, ça pourrait être classe, en vrai, ouais, c'est vrai. Bah là, ils sont en train de se préparer un petit univers cinématographique, là. Il y a Zelda qui va arriver, bon, ce sera du live-action, je crois. Attendez, ne bougez pas, j'arrive! Je vous présente la référence absolue en jeu et amusement. Moi-même, Squadaleng, votre maître des quiz préféré. Ne me dites pas que vous m'avez oublié. Ça vous dit de tenter le bon perso? Bien sûr que ça me dit. On va attendre longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles depuis un moment. Mais bien évidemment, c'est pas grave, parce qu'avant, on aura le film Minecraft. Franchement, j'ai hâte de voir les premiers visuels, parce que j'ai aucun moyen pour moi d'imaginer à quoi ça va ressembler. Le meilleur. Bon, il faut que je me concentre sur le jeu un peu. Mega Crash, bien sûr. Bon, ça va, si c'est juste ça. Il y a un gif assez connu. Ah ouais? Ah, c'est possible. Je fais plus attention. Le Son Goku film Mario avant, c'est bien possible, ouais. Bob le Blob. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en vrai? Est-ce qu'un jour ils vont sortir un film Smash Bros? Je pense que... Bon, bah, ça, franchement, ça va. Il se fait deviner lui-même, Squadaleng. Ça va le melon, là? Mais ouais, je pense que le plus probable à avoir son film, le prochain, ça pourrait être Donkey Kong, hein. Peut-être qu'ils l'ont déjà annoncé, mais j'ai oublié. Vu qu'il était déjà dans Mario. Ah mais oui, ils l'ont annoncé, c'est vrai. Ils avaient fait pas dans un Nintendo Direct, mais je crois qu'il avait sorti sur Twitter. Une petite vidéo de Miyamoto qui parlait de ça, non? HPI, bien sûr. Classique à l'HPI, quoi. Ouais, c'était ça, ouais, j'avais oublié aussi. Trop bien. Franchement, s'il faut un petit univers cinématographique, ça peut être sympa. Hein. Je vois pas comment ils vont intégrer Zelda avec le reste, mais bon. Ça va donner un film à la Roger Rabbit, là. Enfin, qui se souvient de qui veut la peau de Roger Rabbit, là? Enfin, tout le monde, évidemment, mais... Ça aussi, quand j'étais gamin, c'était une dinguerie. Un film Metroid, ça peut être très cool aussi, ouais. Mais franchement, plein de licences peuvent être trop bien. Faut juste qu'ils le fassent bien, quoi. Ça paraît évident à dire, mais... Une petite série sur Earthbound, en vrai. Je connais pas trop la licence Earthbound, mais... Ce serait un bon moyen de la ramener, je pense, au bout du jour, puis... De vendre des remakes, bien sûr. Avec Xenoblade... Bah, des séries, en vrai. Plus qu'un film, par un anime entier, ça pourrait être un peu plus adapté. Série Fire Emblem aussi, ouais, c'est vrai. Dans ce genre de truc un peu à la médiévale qui est potentiellement assez long, ouais. On a bien des animés Persona, c'est juste. On a bien un animé Phoenix Wright et un animé sur Layton, quoi. Qui a floppé de ouf. Oh, le gros coffre. Ça, c'est un équipement, ça. Ah, bah voilà, t'as ton épée de dragon. Du coup, tu la veux, Fagno? Dis-moi tout. T'as une belle épée aussi. C'est un oui. Je comprends. Elle a un style, quand même. Sur les bombes de Kingdom Hearts... Mais, attends, ils ont annoncé qu'ils allaient faire... Des films ou une série, je sais plus. Mais Disney+, il y a eu une annonce comme quoi ils allaient faire un truc sur Kingdom Hearts. J'avais vu ça passer, je crois pas que c'était des rumeurs en plus. Hein. Je sais pas. Je sais plus. Ouais, hein, c'était il y a quelques mois. J'avais vu ça. Ça peut être une bonne dinguerie aussi. Après, ça dépend, hein. Ça dépend comment ils font ça. Ils ont bien fait une série sur les jeux Halo aussi. J'ai pas vu la saison 2, mais bon, c'était pas...
C'était vraiment... Je trouvais ça vachement beau en termes d'effets spéciaux et de décor, mais par contre, l'histoire, un peu balèque. Hein. Le fait qu'il enlève son casque pendant toute la série, ça me trigger de ouf. À niveau 17, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme licence Nintendo? Bon, F-Zero... Un film là-dessus, je suis pas convaincu. Imagine s'ils sortent genre Mario le film, le jeu. Comme à l'époque, de chaque film avait son putain de jeu vidéo, là. Ce serait assez drôle. Hein. Ah, il est même pas à table. Mario le film, le jeu. On est de retour en 2006, quoi. Kid Icarus, ouais. J'y pensais avant, j'avais zappé. Ice Climbers, là. Ice Climbers monte l'Everest avec Inoxtag. On se retient tous de respirer pour les Ice Climbers. Ah, j'ai donné au mauvais, c'est pas grave. Du fiasco du film Ratchet, j'ai jamais vu. J'ai jamais joué au Ratchet & Clank, de toute façon, donc ça m'avait pas... Et le fait que Squeezie fasse la voix, ça m'attirait pas plus que ça non plus, parce que j'étais pas... très attiré par Squeezie à la base. Enfin, j'étais pas abonné, puis je m'en foutais en vrai. Mais oui, mais en fait, ça vient du problème que j'ai eu très tard la PlayStation et que j'ai pas assez exploité les licences. Ma première PlayStation, je l'ai eu en 2018. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ils sont déjà niveau 10. Oui, ils sont niveau 6. Allez, on leur donne un petit ticket sorti. Mais ça, c'est chiant quand ils font ça, hein. Vraiment. T'as même pas regardé le film. Au pire, regarde-le en VO, non? Ah, oh, je sais pas si la VO, ils ont mis la vraie VO. Mais ouais, après, c'est vrai que si t'as connu les gens en VF, c'est un peu relou, quoi. Mais ça, typiquement, avec les films Spider-Man aussi, ça me casse les couilles. Genre... Vraiment, Sony, il faut qu'ils fassent de la merde au moins un truc à chacun de leurs films, quoi. Mais la VF des... C'est vraiment des films incroyables, les Spider-Man Multiverse, mais... La VF, mais elle est dégueulasse. Ils mettent à chaque fois du star talent de merde. Et du coup, ils jouent si mal. Et ça me casse les couilles. Allez. T'as fait le jeu, ça te suffit, ouais, je comprends. L'animé de World Ends With You. Ah, c'est bon, j'ai la ref. Alors, je sais pas du tout de quoi parle le jeu ni l'animé, mais j'ai la ref du titre. T'as connu tard la PlayStation? Ouais, je sais, c'est clairement, ça fait partie de ma liste. D'ailleurs, je l'ai peut-être pas mis sur mon Rank One, mais... C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre les licences PlayStation, mais... Mais Uncharted, Ratchet & Clank, Jack and Daxter... God of War, c'est tout des trucs que j'ai envie de faire. Et évidemment, si j'y joue pas déjà maintenant, c'est pour me les garder pour le stream. Potentiellement. Si un jour, j'ai du temps pour faire ça, quoi. Ouais, je crois que le minimum, c'est niveau 9, donc ça part avec Flora. Parce que là, sur PC, je crois qu'il me semble qu'il n'y a que le dernier de Ratchet & Clank. Rift Apart, c'est ça? Ah oui, The Last of Us, j'avais acheté le jeu. J'ai joué une heure, je crois. Et ça m'a saoulé. Et il faut que je me mette un peu plus dedans, en vrai. Mais du coup, j'ose pas regarder la série, pareil. Je veux faire le jeu. Même si, bon, je sais déjà... Je connais déjà un twist, quoi. Forcément, ça spoil. Avant que la série sorte. Pharaosu. Défense PM. Ah, Shadow, il a pas beaucoup. Trop cool comme jeu. Ouais, mais il a l'air bien, mais... Je pense que j'étais pas en condition sur le moment pour me faire ça. Il faut que je me conditionne et que je me force à y jouer un peu. Enfin, à me lancer, pas à y jouer.
pense qu'une fois que t'es bien dans l'histoire, t'es assez happé par le truc. Mais tout le monde va trouver dégueulasse leur plat ou c'est comment? Allez, Nyria. Voilà, merci, Nyria. C'est de réfléchir toujours à... Attends, déjà, on est niveau combien, là? Personne n'a monté de niveau, donc c'est bon. On perd la même team. Ouais. Et on va aller finir cette quête secondaire de ces morts, là. The Last of Us. Oh, les Life is Strange aussi, ça fait longtemps. J'ai fait que le premier, faudrait que je fasse les autres. C'est pas une exclu PS, mais bon, je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Et lui, avec sa pose de démon dégueulasse, là. Crache du pu sur les ennemis. Bonsoir Shadow, quand on parle du loup. Regarde ce que t'as dans les mains, là. C'était dégueulasse. C'est fini la bouteille de ketchup, là. T'es passé au niveau supérieur. T'as carrément un organe de démon. On parlait d'adaptation de jeux vidéo en film et du prochain cinématique universe de Nintendo. On a dérivé sur les exclus PlayStation. C'est quoi la licence Nintendo que t'aimerais voir en film ou en série, toi, Shadow? Sois un peu original. En vrai, ce serait stylé d'avoir un animé Pokémon... Non, je rigole, évidemment. Oh, quel farceur. Phoenix Wright, bah ouais, bah Phoenix Wright, j'ai vu la saison 1 et j'ai pas osé regarder la saison 2 parce que j'ai compris en finissant la saison 1 que j'étais en train de me spoiler les jeux. Si on regardait les étoiles? Pourquoi pas un film? T'imagines un film Pokémon avec des... en live action, avec des Pokémon en CGI quoi? Non, impossible. Ça n'arrivera jamais. Que c'est beau! Regardez, des toiles filantes. Je me suis bien spoilé, mais ça fait longtemps. Donc là, j'ai commencé Phoenix Wright lundi, et je savais que c'était des enquêtes que j'avais déjà vues, mais j'ai oublié, donc ça va. Je me souviens plus de la fin, de la finalité. Premier et deuxième jeu, carrément, ça fait un peu chier, quand même. Je me souviens de 2-3 trucs, je sais qu'à un moment, il y aura un truc avec un perroquet, quoi, mais c'est tout. Donc ça va. Je me souviens plus de la finalité des trucs. Je peux faire le jeu et redécouvrir. Ça fait plusieurs années, en vrai. Heureusement. Qu'est-ce que je désire? La thune. Un film F-Zero. Ah voilà. Fast and Furious. Sur un seul circuit, quoi. C'est quoi ça? Je sais pas trop, F-Zero, c'est vraiment le truc que je vois le moins s'adapter. On n'a pas parlé Star Fox en vrai, Star Fox. Ça pourrait être un banger aussi. Non, je connais pas du tout l'univers. Hein. C'est juste, moi je vois un truc dans l'espace et je suis content quoi. Pourtant j'aime pas tant Star Wars que ça en plus. Le perroquet, ouais ça je me souviens qu'il y avait un délire. Je me souviens qu'il y avait un délire aussi avec une série dans Phoenix Wright. Genre une série sur des samouraïs, je sais pas quoi là. Certaines des affaires les plus folles. Ok, ça va. Même si dans longtemps c'est ultra banger, bah j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. C'était assez sympa le début là. Star Wars avec des animaux. T'imagines, un des persos principaux, ce serait un gros truc tout poilu. Impossible. Star Wars ne laissera jamais ça. Un truc genre il parle pas, il fait. Allez, ah, il nous met cher quand même. Hein. On va peut-être soigner Fabio juste avant qu'il se soigne lui-même. F-Zero, c'est que l'univers est un peu barré. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Ça me fait penser qu'ils ont fait une série live-action qui est passée totalement... genre chez nous, on s'en est totalement battu les steaks.
C'est quoi cette de métal? C'est le truc de PlayStation avec un clipper ou je sais pas quoi là. Je sais même pas de quoi ça parle. Est-ce que c'est Twisted Metal? Je crois que c'est un jeu de voiture en plus. Oh, je suis trop fort, c'était ça. Trop balèze, c'était vraiment ça. C'est un peu tiers de la série Halo, quoi. Quoique série Halo, c'est sorti sur Canal Plus quand même. Ouais, Persona 5, ouais. Mais ça, ça va, parce que c'est des jeux qui sont déjà dans un style animé, quoi. Donc c'est un peu plus... Enfin, la DA est simple à trouver. Doom en série, ça doit être bien gaulerie, quand même. Mieux fait que Persona 4. Bah, faudrait peut-être que j'y joue à Persona. J'avais commencé Persona 5, putain. Et j'ai eu mal aux yeux, j'ai arrêté. J'ai commencé à avoir des problèmes d'yeux, vite fait. Il y a des périodes comme ça où j'ai mal aux yeux d'un coup, puis après ça passe. Ça manque de royal. Les premiers films du 3... Ah ouais, ils ont quand même fait pas mal de trucs alors. Mais il y a un animé Devil May Cry aussi. Ça, j'ai mis de côté. Oh non, mais encore! Tout le monde va me casser. Non, Flora! Oh putain, ça m'arrange pas. Ah bah, c'est Baba est de retour. Bah, il va prendre sa place. Mais si on fait ça, on n'a plus de support, quoi. Bref, c'est chiant. Ah, ça arrête de se faire la gueule, déjà. Bon, passer à autre chose avec ça. Attends, Divarine, Ineria. Ils sont niveau 6, ils vont rester ensemble en vrai. Jérémy Fagnou au niveau 7. 7. J'essaie de faire en sorte que tout le monde soit 10. Flora, Shadow, 10. Donc on va changer. Shadow, il faudrait qu'il se mette limite avec Fagnou. Comme ça, elle reste avec Jérémy. On peut faire ça. Ok, parfait. On a beaucoup de thunes, beaucoup de tickets de jeu. Golden. J'ai cru que t'avais dit Golden Sun au début. Allez, je tente mon coup, on va gagner un gros bon PM là. Let's go. Oh, le sub. Un petit codename. J'ai cru Codenames. Pas du tout. Codename Steam. L'anime Persona 5 d'être un peu cheap par rapport aux animes communs. Oui, bon, après... Ça, c'est pas grave, en vrai. Ils ont pas forcément les moyens d'un gros studio qui s'occupe déjà de mangas très connus. Elzeuf aussi. Ouah, tellement de trucs. Tellement de choses. On va passer des épisodes arc, des combats. Un Steam Deck ou une Go XLR? Qui ça, moi? Ah, Bobo, il y avait question, j'ai pas vu. Ah non, la Go XLR, j'ai pas été fou à ce point-là. Non, j'ai un Steam Deck. Non, si, franchement, si j'avais une Go XLR, mec, tu m'entendrais beaucoup plus faire le con avec. Je ferais des effets tout le temps comme un gros bâtard. Ou je me ferais répéter des trucs comme ils faisaient les streamers à l'époque, là. J'ai hésité, la Go XLR, quand même. J'ai hésité, puis le prix m'a ramené à la raison. C'est genre 600 balles, ce truc, c'est n'importe quoi. Et surtout, à un moment, j'ai hésité, je crois, parce que c'était en solde. Mais j'avais appris que la plupart des employés, il me semble, s'étaient barrés. Parce que ça allait pas du tout. Et qu'ils avaient fondé une autre boîte avec un autre truc du style, et que le Go XLR serait plus jamais mis à jour. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Oh, il est un peu classe comme ça. Hein. Est-ce qu'on fait évoluer le C, Baba? J'aime bien qu'ils soient en jaune, en vrai. On va peut-être attendre un peu. Il a déjà évolué il y a pas longtemps. Des jeux à moins de moyens, mais mis sur des animés. Oui, bah c'est normal. En vrai, c'est normal, ouais.
Stream Deck plus Stream Deck pardon avec des lignes audio. Non, non, c'est, ça c'est sorti après. J'ai le Stream Deck normal, le moyen. C'est pas le grand, c'est pas le XL, c'est pas le petit. C'est celui qui est en 1, 2, 3, 4, 5 par 3. 15 boutons. Parce que toi, t'es en train de regarder pour t'acheter un Steam Deck, là ? Sur Digitech, il y a des soldes, ça peut arriver. Moi, je l'avais pris en solde. Du coup, ça, on est bon. On est good. Je suis en train de réfléchir s'il y avait vraiment un animé à très gros budget pour un jeu vidéo ou un truc comme ça. Bah, à part le film Mario, évidemment. Je sais pas. Mais bon, c'est vraiment les plus grosses licences. Bah oui, un animé à gros budget, c'est Pokémon, en vrai. Pas forcément par la qualité de l'animation, mais en termes de nombre d'épisodes. Aïe. Le voilà, c'est l'affreux monstre des neiges. Réglons-lui sa gueule. Tate de fou là, ah ouais. Tu peux switch facilement entre tes 15 boutons, plusieurs pages, oui, bien sûr. Tu peux avoir soit plusieurs pages avec des flèches où tu tournes, soit t'as des raccourcis, enfin des dossiers en gros qui t'ouvrent des pages avec d'autres boutons. Je trouve que. Mais après, je m'en sers très peu en vrai. Hein. Il faut que je mette plein de trucs pour m'en servir plus. J'ai pas optimisé le truc jusqu'au bout, mais. Je m'en sers surtout pour afficher des infos. Genre, vu que j'ai un. Merde, je me suis trompé. Vu que j'ai un. Bon, c'est pas grave. Un casque et une souris sans fil, j'ai mis un plugin pour mettre le. Afficher le niveau de batterie. Mais en vrai, oui, ça, pour les streams, ça peut être très bien si tu prévois plein d'effets, si tu veux automatiser des trucs. Mais moi, j'attends d'avoir plus de scènes et plus de trucs pour faire ça, mais il faut vraiment que je me motive. Ça va pas du tout, là. Hein. Le XL normal. XL, c'est peut-être gros, je sais pas, ça dépend vraiment de tes besoins. Bon, je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Allez, Shadow, c'est pour ta gueule, cette fois. Me fais pas la gueule, par pitié. Et merde. Non ! Oh, c'est relou, ça. Bon, tu sais quoi ? On va commencer à le tabasser, là. Mais comment toi, Daniel, pour les 7 ornies ? C'est quoi, c'est le fait de mettre des voix de synthèse ? J'hésitais en vrai, parce que ça commence à me déglinguer. TKT, mec. Quand tu veux les infos, Shadow est en PLS. Il faut le soigner un petit peu. On n'a plus de support. Les voix par perso, ouais, c'est ça. En vrai, je voulais le faire aussi, mais faut que je prenne le temps. J'ai plus le temps, j'ai trop de boulot. Ah oui, c'est vrai que c'est Baba pour faire ça. Mais est-ce qu'il a envie de le faire ? Chacun son tour. Ah, ça monte d'un niveau carrément. Il l'a fait ? Ah, je regardais pas. Bah tant mieux alors. Ah, j'étais en train de dire Lutmat. Ça fonctionne étonnamment bien. En vrai, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Parce que ça commence à me fatiguer de faire des voix à chaque fois. Non, enfin, en vrai, je tiens pour 2 heures, mais. C'est vrai que c'est fatigant au bout d'un moment. Il y a des fois, à l'étonne, je devais me mettre debout. Sinon, j'étais en train de m'endormir sur ma chaise carrément. Parce que ça me fatiguait énormément. Pas tout le temps, mais. C'était assez rare en vrai, mais ça arrivait. Bon, il est en train de me dégommer, là. Il se passe quoi, là ? Allez, enfin. Ah, voilà. Bien, ça. Ouais, bah, comme ça, c'est... C'est encore plus de texte que Layton. J'ai même pas les pauses avec les énigmes. C'est du texte et du texte tout le temps. C'est pas voicé. Il faut que je me démerde.
Donc ouais, c'est pour ça que aussi que j'envisageais les voice mods. Salut Ansala. Comment ça va? Ah, ça me fait penser aussi que j'ai pas envoyé à Alicie le screenshot. Faut que je fasse ça après. Oui, t'as les pauses en réfléchissant, c'est vrai. C'est différent. 15 jours avant les vacances. Bah ouais, grave. Les bonnes vacances qui m'attendent là. Miam. Les bonnes vacances, c'est demain, on est en octobre en vrai, c'est ça. Hein. Allez. Cet horrible monstre des neiges, j'imagine qu'il a été créé par l'avatar du pire. Quel plaît cet avatar du pire. Ouais, maintenant. Merci, voici votre récompense. Let's go. C'est ça, on gagne de la bouffe en finissant les quêtes, c'est quoi Starlac? Ouais, bon, en même temps, vu les nombres de dialogues, ça m'étonne pas que... Allez, j'achète, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour un équipement. Quoique... Ça te manque les vacances? Pas du tout, bien sûr, je déteste les vacances. Ouais, les onomatopées, il y a des voix. Ah, Flora est de retour. Nice. Ça repart dans l'équipe. Ansada et Sebaba. Hop, ça améliore. Ouais. Je pense que le 100% je le ferai hors live. De finir les chemins alternatifs, parce que bon, on va se faire chier sinon. On va un peu se faire yesh. Commence à faire un petit moment qu'on est sur ce jeu déjà. Ah, Shadow il augmente son attaque. Ah oui. Deux niveaux carrément. Ansada aussi, vas-y. Un bon prêtre a besoin d'une bonne attaque. On donne à Nebi. Jeu à l'air infini, j'avoue. J'avoue que c'est long quand même, c'est plus long que ce que je pensais. Ce qui me... Ce que je trouve plutôt cool en vrai. Allez Flora, hop, bonne guérison. Let's go Nebi. Il y avait des moments où il y avait des voix. Ok. Elles y seront sûrement. Bon, ok, ça me fera des pauses. C'est un peu comme Layton versus Phoenix Wright, quoi. De temps en temps, il y avait du doublage. Du bon doublage, en plus, hein. 100%. Tous les niveaux... Non, ça, ça va être chiant, par contre. Ah, ça fait 5 minutes que tu es là, tu nous lurquais, quoi. Let's go. C'est quoi cette tenue? Elle est dégueulasse. On l'a déjà vu avant, en plus, quoi. Jour un quart, c'est bien parce qu'on a beaucoup de tickets, mais bon. Non, je vais attendre d'avoir des bonnes stats. Ah, moi, je parlais de voice acting. Mais c'est genre les cinématiques, ils parlent, quoi. Ah non, genre les objections et tout, ça c'est... Là, ils parlent pour les objections, c'est juste que c'est pas assez fort. 60 plus heures sur un jeu. 100% doublé, t'as des candidats. C'est quoi tes candidats? Bah les Assassin's Creed en vrai, les derniers là. Waouh. Il est tenu incroyable. On va voir Mega Crash quand même. Attends. Il est content, je crois. Le monde paisible de Mythopia qu'il disait. Ça fait un moment qu'on l'appelle plus ainsi. Mais gardons espoir. Et c'est juste ça. Obodachi Life bientôt, j'espère là. Et que quelques scènes dans les deux, ok. Le reste non, pas de scène doublée, ok, bon tant pis. Parce qu'en plus c'était dans Layton Phoenix Wright, c'était Donald Renew qui faisait la voix de Phoenix. C'était assez cool en vrai. Bon, on a déjà fait. Je vais pas relire le dialogue de Mega Crash. L'Explorateur. Allez, on y va. Est-ce qu'il va nous suivre, du coup? Formidable. Dans ce cas, je vous note l'endroit sur la carte. Et moi, oh, ce n'est pas mon truc. Je sais bien que je n'ai rien, aucune chance contre eux. Ok, bah il vient pas. Il est 100% voicé, Fire Emblem? Je savais pas.
La série des Persona, bien sûr. Bah, Persona, j'ai acheté le 5 il y a un moment déjà, maintenant. Il faut juste que je trouve la motive pour le faire. Surtout que je viens de me... Enfin, c'est... Persona, c'est pas un jeu que je ferai en stream, je pense. Je n'avais déjà parlé il y a longtemps, mais ça a l'air si long que je me le garde juste pour mon plaisir perso, je pense. Et j'avais essayé de commencer, mais à ce moment-là, j'avais les yeux explosés. Donc j'ai arrêté dès le début. J'avais encore pas compris comment le jeu fonctionnait. C'est trop bizarre. Mais il faut que je me mette dedans. Sauf que là, je viens de me relancer une partie de Skyrim parce que j'avais envie. Ça faisait longtemps. Donc j'en ai pour un... Bon, je sais pas si je vais la finir, mais... En anglais, japonais, c'est pas grave. Ah bah, c'est Persona 5 Royal que j'ai. Mais pas en stream, c'est trop long. Persona Xenoblade Final Fantasy vaut mieux faire en stream, ouais. C'est un peu trop... trop long, trop time consuming. Final Fantasy, j'en ai jamais joué à un seul. C'est quand même une dinguerie, ça. Des fois, j'hésite quand je vois les remakes des premiers là qui sont sur Steam en solde, mais ça coûte quand même cher, je crois. C'est très bavard et très long, ouais. Je pense pas que ce soit... Je pense que c'est sympa à faire en stream, mais pas tout. Parce que le jeu en entier, c'est... t'en as pour des années, en fait. Faites un effort, vous deux. Ils sont en train de se mettre sur la gueule. Et puis cette remake, tu les trouves trop cool. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que... Ça a l'air pas mal. Ils sont tous sortis ou il y en a encore un qui doit sortir? Tout le monde te parle de nostalgie des Final Fantasy. Ouais, t'as jamais joué. Moi, je sais pas si j'arriverai à accrocher. Hein. Genre au tout premier, en mode, même en mode remake. Je sais pas si les JRPG, c'est vraiment fait pour moi, en vrai. Mais j'ai jamais trop essayé, donc je peux pas te dire. Enfin, si, j'ai essayé, mais j'ai pas assez essayé. Il faut vraiment que j'essaye un peu plus. C'est le deuxième qui est sorti cette année. Ok. C'est ouf ça, ils en font vraiment une saga. Quelques années de plus, oh la vache. C'est long sa mère. Oh, il y a le temps quoi. Surtout qu'il coûte un bras en plus. Bon, un message, hein. Hop. Mais clairement, le 7, ça a l'air d'être le plus emblématique, donc... Ça m'a toujours un peu trigger de pas faire les trucs dans l'ordre, mais c'est vrai que Final Fantasy, ça a l'air totalement indépendant, donc... Ah là, il y a déjà plus moyen, hein. Non, mais robe rapiécée, ça pue la merde. Évidemment qu'on n'a pas assez d'argent. Bon, c'est, je regarde juste pour voir ce qu'il veut, mais... Oh, presque, hein. 40 balles. Beaucoup trop dense pour le faire en une fois. En remake... Oh non, j'ai mon casque qui commence à faire de la merde. J'éteins mon casque. Il ne s'éteint plus. Ah voilà, il s'éteint. Et rallumé, voilà. Des fois, il part en couille. Tout va bien. Donc vous avez pas le bruit du micro qui s'active et désactive, alors que je m'en sers même pas. Bah c'est bien, on est en just chatting, quoi. Elle prend un message. J'ai oublié de prendre de la flotte. J'ai soif. Paf, je reprends dans le chat. Explique le jeu original en 3 new remakes. Parce que le jeu était déjà trop long. Mais ils ont rajouté énormément aussi, non? Pas besoin de les faire dans l'ordre, ouais, c'est complètement différent. Sont ceux liés à FF numéro X et X2, ok. Le fameux rire. Oh, j'ai pas la ref. Ou alors je l'ai, mais sans savoir que c'est ça. Allez, c'est pour des billes.
La bonne salade de Boing. Personne n'aime ça, tout le monde trouve ça ignoble, sauf moi. Allez, Ansada, vas-y, je te régale. Évidemment. Bon, moi, ça donne beaucoup. X, le chiffre romain, oui, je pensais bien. Ah oui, 10, oui. C'est vrai que je dis X, mais... Oui, c'est 10. C'est un réflexe de dire X. Et je l'avais. Je l'avais. Tout le monde en fait des vannes. Ils ont rajouté des choses dans les remakes. Ok. En vrai, c'est marrant. Pourquoi pas. J'ai vu aussi qu'il y a les remakes des trois premiers... Enfin, on a vu ça dans le dernier Nintendo Direct, là, les trois premiers Dragon Quest. C'est pareil, genre, c'est un peu tentant, mais est-ce que j'en aurais vraiment quelque chose à foutre? Ça, j'en suis pas sûr. FF, croix et bâton. Ça, c'est 14, ça. C'est celui qui est en MMO, ça, non? Bon, ils font plein de pubs avec les streamers. Hein. Elle utilise ta nouvelle épée, là. Ah oui. C'est sympa. C'est pas le 14. Ah merde, c'est 16. Ah. Ah, je me... ah mais attends, 14. C'est pas celui où il faut un road trip dans une bagnole, là. Il n'y a pas une histoire avec une voiture. Ou ce qui est genre... C'était le next-gen de la génération d'avant. Je sais plus. Non, c'est le 15. Ah là là, je suis perdu. FF14 et le MMORPG. Ah bah. Bah c'est ça alors, c'est ce que je disais. C'est le MMO. J'ai dit quoi alors? Je sais plus ce que j'ai dit. Le 15 avec la tuture. Bung aquatique, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ah oh, oui d'accord, il fait balle. Fait plutôt mal. Bah il s'est soigné, bon, ok. Le 14 gratuit jusqu'au... Ah! Jusqu'au level 70, donc jeu de base... Ah, mais j'ai cru jusqu'au, genre, c'était une offre temporaire. Ouais, alors... En vrai, c'est stylé, mais... C'est pas pour tout de suite pour moi. C'est pas à cause du fait que ce soit Final Fantasy ou quoi, c'est juste que les bébés, j'ai de la peine accrochée en vrai. J'ai très peu joué à des MMO, moi. MMORPG plutôt. Mais celui auquel j'ai le plus joué, c'était Dofus. Et encore, j'ai jamais été extrêmement loin. Le max que j'ai dû faire, c'est niveau 50 ou 55, un truc comme ça. Ce qui est pas énorme non plus. C'est très très chronophage, ouais, c'est ça. Il faut des amis, quoi, donc c'est un peu un problème. Je pensais que j'avais dit 14, donc le Mepong, mais en fait, non, je parlais bien du 7, ok. D'accord. Galette. C'est le seul dans lequel tu t'es investi en tant que MMO, ok. J'avais joué à la bêta de Elder Scrolls Online aussi. Elder Scrolls Online. J'avais fait un Khajiit. J'avais joué que à la bêta, j'ai jamais rejoué après. Oh non, je me suis vraiment trompé. Entièrement solo, pas obligé, ok. Entièrement l'histoire, ouais. Ouais, ça dépend les MMO. C'est du style genre Dofus tout seul. Fait chier, quoi. C'est faisable, mais bon, tu t'emmerdes un maximum. Mais ils ont quelque chose contre Shadow, hein, c'est une dinguerie. Tout le monde s'en fout. Ah non, il y en a un qui danse. Super. Allez, renaclement. Ça, ça dégage. Le jeu a beaucoup de ses donjons en solo. Ah ok, ouais. Ils sont que très rarement toxiques.
C'est assez rare pour souligner ça. C'est pas Fortnite, quoi. Dommage, c'est pas chevauché. Ouais, c'est vrai qu'il l'utilise jamais. Mais je me demande si l'attaque chevauchée, c'est possible de l'avoir pour les compagnons, hein. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un la débloquer en passant les niveaux. Bon, cette fois, je me trompe pas. Toujours à celui qui a le moins de XP. Ah, j'ai dit que Flora revenait dans l'équipe, en plus, j'avais oublié. J'oublie tout. Les Boeing, c'est des haters de radeau, ouais, vraiment. C'est des gros haters. La grosse force du jeu, c'est son histoire. Ok, ouais. Ouais, donc forcément, ils avaient intérêt que ça se passe en solo, quoi. Bah, c'est bien, en vrai. Path of Exile. C'est un titre que je connais, mais je sais plus ce que c'est le jeu. C'est pas un jeu de la Fortnite, non. LOL, Overwatch, etc. Ouais, ouais, c'est différent. Donc, Nidgar. Ah oui, bah je l'ai oublié, tout simplement. Eh ben, c'est ballot, parce que tu sors de l'équipe. C'est un Diablo-like. Ok, j'ai jamais joué au Diablo. Mais je vois. Je vois ce que c'est. Une fois, tu vas peut-être enfin jouer en multi, let's go. Eh ben non. Ah si, on peut. On peut voir tout le monde, là. On peut voir tout le monde depuis là, let's go. Mais je pense que je t'en ai pas mis, hein. Effectivement, tu n'as pas de crit de guerre. Oh, j'ai pas d'idée. Pour la team, ok, vas-y. Je fais attention à pas me tromper entre X et Y. Voilà. C'est réglé comme ça. Vengeance, et oui. On peut se venger, enfin... Sur les autres, bien sûr. Catalogue, c'était quoi déjà? Attends, est-ce qu'on peut acheter n'importe quelle arme? Ah, c'est genre des trucs qu'on a déjà achetés. Et qu'on peut donner du coup aux autres en mode esthétique. Ça, ça m'intéresse en vrai. Ça m'intéresse pour une raison. Ça, c'est que les armes. J'ai un peu envie de donner ça à Inyria. Ça. Mais bon, c'est loin. 2200 quand même. Hein. C'est un investissement. Je pense que pour l'instant, c'est non. Hein. Je peux modifier les classes maintenant aussi, oui, oui, ça j'avais vu. Mais je peux carrément acheter quelqu'un à qui c'est pas la classe et lui mettre comme... comme objet... pas de classe, mais voilà, enfin pas de actif, mais esthétique. Voir aussi les relations, mais ça, de toute façon, on les voit en passant là-dessus, quoi. On a pas mal de thunes, 3007. Oh la vache! Oh! Ça, ça aurait été bien pour Nebi aussi, le katana. Tu as déjà gagné une feuille caillou ciseau? Non. Franchement, j'ai joué une fois, deux fois, ouais, peut-être deux, trois fois, j'ai perdu, j'ai dit bon, allez. J'ai jamais gagné, donc j'ai dit plus jamais. Jamais. Ça m'a très vite saoulé. Tu veux le katana, j'imagine. Et c'est le retour de Flora. Shadow va bientôt, je pense, laisser sa place à Jérémy. C'est quoi ce Boeing gris, là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah oui. Fallait aller là. J'ai envie de voir ce que c'est le Boeing gris. Ah, peut-être qu'il fallait y aller depuis l'autre. Je sais plus. C'est pas grave, on pex. On pex un max. Mais du coup, on n'avance pas, en fait. Peut-être qu'on est obligé de faire les quêtes, je sais pas. J'y vais un peu à l'aveugle, là.
Oh là là, il y a beaucoup de monde. Oh, ils font mal en plus. Fais attention. Oh, il a esquivé ce con. Ouais, démerdez-vous. Ah, ça va, il a occupé ceux qui font mal. Oh, presque tous. Ah, Flora Berlin, quoi. En Miller qui est avec la famille. Mais fais-en profiter toute la famille, voyons. Il y a ton Mickey là, en plus. Ton merveilleux Mi. Ah, les compétences, ok, peut-être. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il tape toujours Shadow. C'est dingue. Mais ça ne sert à rien, c'est Baba. Allez, on en focus un pour qu'il meure. Il est pas mort. J'encaisse. Voilà, attaque. Finish him. Fatality. Oulala, là là, Flora qui fait du gringue à Shadow. Juste pour éviter qu'il passe son tour à bouffer une banane. Voilà, comme ça il attaque. T'entends pas trop. Un truc gentil comme d'habitude, bien sûr. Comme comme le fait que tu viens de flirter avec Shadow. Ouh, sympa là. Ils vont tous passer niveau 16. Flora. Bien sûr que non, je n'oserais pas. J'ai faim. Et moi donc? Nom 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 nom. Ah, tu partages ou bien hein? Non, mais je fais semblant, remarquez. Je peux faire semblant de partager aussi. Il a zinzin, oui. Je peux faire croire à mon estomac qu'il est plein par la seule force de la pensée. C'est le stress de l'aventure, mon pauvre tête Caleb. Si on trouve pas très vite une auberge, il va se manger un bras, ce con-là. Il était calme ce soir. Oui, on m'a beaucoup distrait, du coup je suis calme. Je suis pas trop dissipé. Il est pas turbulence. Ah, let's go. Je suis turbulence. Oh putain. Ah, il a one shot. Très bien, énorme. Flora, tu sais ce que t'as à faire. Du coup, premier tour à ne pas attaquer, c'est un plaisir. Voilà. Bon, allez, on peut heal. Stop. Lunaire. Le bot qui s'excite pas surtout. Ça existe. Il va faire mal celui-là. Bib. Voilà, on peut focus les vrais ennemis. Aïe. Allez, super. C'était sûr. Oh, il est vénère. Oh, la vengeance. Ah d'accord, maintenant il est super vénère. Regardez-le. Il est en train de faire un AVC là, il voit plus rien. Ah, il rattaque. Oh, waouh. C'est d'une violence. Let's go. Oh, ils passent tous niveau 16. Des nouvelles techniques? Ah, enchaîne quelques pas dedans, stylé, pour récupérer des PV. Flora aussi? Non. Ça fait beaucoup de points d'expérience, ça. Ça part pour Flora. J'aurais pas dû, c'est mon support. Bref. Enfin l'auberge. Ah oui, la salière, bien sûr. Allez, on s'en fout. Doua, doua. Oh, le cheval veut me voir.
Un niveau en plus ou quoi, là? Bon, on l'a déjà vu un milliard de fois. Oh oui! Complicité affirmée. Mais toujours pas de nouvelles compétences. C'est pas grave, on prend. Bientôt niveau 10 avec Nebby, là. On n'a pas un rond. Ah oui, c'était ça que tu voulais. Oh la vache! Oh, les trucs à 4000 boules, ils sont incroyables. Enfin, presque. Presque tous. Bientôt le mariage. Avec le cheval, c'est ça? Évidemment. On est en 2024, hein. On se permet. Ah, mais du coup, c'est quoi déjà cela? Je sais plus. Je sais que j'en ai déjà battu en plus. Ah, c'est pour l'XP peut-être. Merde, j'ai pas changé d'équipe, mais quel gros con. Tant pis. On lui fait rien du tout de dégâts, c'est quoi cette histoire? Ah, mais il est presque mort. Ah, d'accord, bon. Ah oui, ça mit bien quand même, hein. J'ai oublié de changer. Oh non, je peux pas changer en plus. Ça dégoûte, putain. On va faire ça alors. Non, je crois que c'est prêt. Je pourrais pas changer non plus. Merde. Et merde. Et ben, c'était rapide. Ah oui, on a une option pour ça, sûrement. Effectivement. Attends, il y avait un truc dragon là où j'ai rêvé. Est-ce que c'est juste un voyage rapide? Bon, alors du coup, on va juste repartir avec une autre équipe. Avec Nebby. Jérémy. Ansada. Putain, j'ai encore appuyé sur B, j'ai envie de mourir. Donc on disait Nebby, Ansada, Jérémy, voilà. Allez, c'est parti. À deux sur le cheval. C'est quoi ça? Allons-y! Ok. On le déglingue. Alors, tous ces sbires, ils vont mourir. Une erreur, ok. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai pas besoin, je suppose. Oh oui, ça m'est très très bien. Ah, j'aurais bien voulu un petit plus. C'est très bien aussi. Voilà, tout ça, ça dégage. Parfait, le boss il attaque pas. Moi j'envoie ça. On ken tous les bangs verts là. Mais ouais, ça fait un dégât. Oh, les trois! What the fuck? C'est que des 1 de dégâts, mais je crois que c'est suffisant. Faire barrage. J'ai trop matrixé, parler de l'actualité, Flora, bien sûr. Il donne tout. Qu'est-ce qu'il fait? Oh le bâtard! Mais non. C'est un abra. Il a fui ce bâtard. Genre, on a accompli la cage, très bien. La quête. Ça dégoûte. Tout le monde me kiffe, c'est vrai. C'est comme dans la vraie vie en fait. Je t'explique. Oh non, c'est qui? Imaginez, c'est moi. Ah non, Jérémy ne se sent pas très bien. Dans les fanfics, il y a des jalousies. Pourquoi le cheval? Ok, ah, c'est dommage alors. Triste. Triste vie.
Oh, là, il y a moyen, là. Hein. Blouse de carnaval, allez. Voilà. C'est pour qui? J'ai oublié. Sûrement pour Jérémy. Ah non, hein. C'est pour Shadow. Oh, Shadow. Pour la classe. Non, mais ça, ça blouse de scientificité. Quoi qu'il y ait un cœur, hein, c'est Kingdom Hearts. Regardez, c'est une tenue de Kingdom Hearts, ça. C'est quoi cette urgence? Tu peux pas le jouer? Non, c'est quelqu'un qui tombe malade. Je sais que tu m'entends pas, mais voilà. Oh, t'es vraiment en tenue très légère, là. J'avais pas vu en dessous avec les collants et tout. Quelle horreur. Laisse le rose. Non. Trop tard. Ah, oh, le DSTP, quoi. On verra après, écoute. J'ai besoin d'argent. On va rejouer. Je peux le faire après, je peux le faire après, c'est bon, calmez-vous. Non, je peux le faire maintenant, en fait. Allez, let's go. Ah, ça vaut que dalle. Comparé à ce qu'on peut avoir. Oui, Tommy était malade, Flora aussi. Non, merde, je me suis trompé. Oui, bon, c'est bon. Non. J'appuie sur A au lieu d'appuyer sur B, putain. Ça me rend ouf. Vous avez vu le Mi sans maquillage, quoi. Non, je peux pas changer comme ça. Non, j'avais un menu pour les équipements, c'était pour ça. Ah ouais, c'est ça, je suis con. J'ai oublié ce que c'est. J'avais mis quoi déjà? Attends. Voilà, comme ça Flora elle est contente. Et de toute façon il est pas là pour se plaindre pour le moment visiblement. C'est pas ton Mi qui est malade, ça risque pas, ouais. La grosse mythe. Ah oui, c'était ça. La grosse mythe ultime. Qui c'est qui va manger du Boeing? C'est moi. Alors celle-là, elle est pour Flora. C'est bon, légumes. Et on peut se barrer. Ah non, pardon. 4006. 4100, oh. Eh ben, c'est pour Shadow. C'est, on va le régaler aujourd'hui, en fait. Sauf que bien sûr qu'il garde son truc dégueulasse. Évidemment. Quelle heure on vit là? 22h20, ça va. On a encore un peu de temps devant nous. Quoi? Non. Ah mais non, il... Ah putain, il y en a qui est malade. Ah oui, c'est vrai. Ça part avec Diva. La grosse mythe ultime. Il faut juste faire les quêtes, en fait. Je sais pas. Je l'ai fait, mais... Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Raymort. Allez. So long. Oh, Bowser, là. On dirait... Bien, bonjour. Vous allez bien? Ok, ils disent plus rien. C'est quoi le résumé des épisodes précédents? Pourquoi il n'y a plus de lave? Alors, bah, si tu nous entends, en fait, on a battu Captain Suisse, l'avatar du mal, mais ce qui possédait le Captain Suisse s'est déplacé dans la grande prêtresse Alicie, qui est devenue l'avatar du pire. Ah ouais, c'était Ramor, j'avoue. Et du coup, maintenant, on se bat plus contre l'avatar du mal, mais l'avatar du pire. Et donc pire, parce que c'est dans son nom. C'est sur son ordi, ton ordi, maintenant tu nous entends, quoi. Let's go. Faut que j'arrête de dire des dingueries sur toi, du coup. Voilà.
J'ai envie de goûter un hamburger. Bah allez, si tu veux. Je propose 1000 balles, hein. Donc il faut partir dans le dernier truc. Il a mis sa petite tenue de chef. Ah, mais c'est un cuistot. Il a la classe cuisinier, sûrement, du coup. Ah, Squadala, notre maître des quiz. C'est pour le prochain niveau. Royaume de Deliria. Oh, délire, quand. Squadala quiz. Hey, Dad Gaibob, regarde ça. La couleur du ciel est vraiment bizarre, lol. Ah, Deliria, on peut s'attendre à ce genre de choses. J'ai trouvé du LSD dans les arbres. Les fruits dans les arbres ressemblent à des bonbons. N'est-ce pas? On a envie de les lécher à même la... Oh, ok, je vais pas lire la suite. Je vais pas lire ça non plus. Deliria est un vrai paradis. Non mais ils sont malades. Ils ont des dialogues dans eux, mais quel enfer. C'est pas fini du tout, non, c'est pas fini du tout du coup. D'où le titre du live. Tu peux manger le ciel. Si on t'envoie loin dans le ciel, tu pourras manger la couche d'ozone. Ici, c'est de la barbe à papa. Bah forcément, t'avais déjà joué. Ah oui, Moby a une nouvelle attaque où son perso va se cacher pendant un tour pour faire une grosse attaque après. Oh, allez, je m'en balèque. Non, mais on a envie de voir l'attaque de Nebby quand même. Allez, je fais ça. C'est un toast, effectivement. Ah, quand même, hein. Ah bah, désolé, l'attaque de Nebby. C'est vrai. Elle marque un point. C'est quoi, LED? Non? Ah bah moi non plus. Ouais. Au moins comme ça on est deux à ne pas savoir. Lol. C'est hilarant. Oh non, c'était un piège. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je regrette. Allez, on le déglingue lui. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il est fou. Un mob tout seul. À quoi il s'attend? Waouh, ça part sur le quiz de Squadalang. C'est l'heure du quiz. La quiz partie. Oh, ça discute. Le cadeau. Iniria en peinture. Un autoportrait. Elle est contente, mais sans plus. Ok, très bien. Très bien. Oh oui, c'est ça qu'on voulait. Let's go. Super toilette. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Non, c'est pas les toilettes qu'on pense. Et je suis dégoûté. Non, mais tu te fous de ma gueule. Oh, c'est quoi ce troll? Heureusement qu'on a beaucoup de tickets. Si ça retombe sur une banane, je me défenestre. Ok, let's go. Ça, c'est pour Jérémy, ça. Ah, c'est ça. Ok, on aura tous des tenues en mode super-héros, c'est ça le truc. Sauf que c'est moche. C'est chelou comme cadeau, ben ils ont fait plein de fois ça. Hors live, ils se sont offerts des portraits d'eux-mêmes à tout le monde, là. Mais non, mais arrêtez. Ok, c'est toujours pas ouf, mais bon. Je sais pas. Je crois qu'ils sont que niveau 8, donc vas-y. Allez, faites votre truc. Blablabla, on voit rien en plus. Tout ça pour ça. Non, je me trompe de bouton. Allez, par pitié, là. J'ai besoin d'énormément d'argent, ça coûte très cher, ce truc, en plus. Voilà. Voilà, 4600 pièces. Ça met bien. Si on arrive à en avoir encore 3, là, ce serait magnifique. Ok.
je dépense tous mes tickets là-dessus, je m'en balèque. Et là, on va équiper tout le monde. On va mettre très bien toute la troupe. Non, arrêtez, mais c'est pas vrai. Pourquoi les trois trucs qui sont rares, je les chope, quoi. C'est dinguerie. Oh, quand même. Pour une pensée d'expérience, c'est pas si mal, hein. Ah, j'aurais pu avoir bien plus, ça dégoûte un peu. Tant pis. 16 000 balles, on est bien quand même. Je crois que j'ai plus de tickets là. En effet, je n'ai plus de tickets. Ouh, ça va partir à une vitesse. 3007. Ok, bon, on prend les deux 3007 déjà. À savoir la tenue dégueulasse pour Nebby. Et voilà, évidemment. Merci Nebby. Fagno ne me fera pas défaut. Est-ce que tu veux garder la tenue Fagno ou pas? Rapidement. Dis-moi Tsu. Garde la tenue, ok. Donc t'es... Avec les bananes PV, c'est une dinguerie quand même, hein. Oh putain, c'est un peu stylé. Ça c'est trop classe par contre. Ça, on est obligé. Une lance runique. Ouais, mais n'importe quoi. Bien sûr qu'on l'utilise. L'autre était très cool aussi, mais... Celle-là, elle claque. On peut acheter le micro à ses babas. Et en vrai, on peut le garder aussi, il est pas mal. Non. Mais arrêtez, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce mince? Allez, Neria, du coup, ça part. Neria. Voilà, premier exemple, un peu merde. Par contre, c'est non. Tout le monde s'y met à acheter des bananes à la con. Jérémy, il veut pas arrêter d'être malade un jour aussi. Le maître des quiz. Le maître des quiz. Attendez, ne bougez pas, j'arrive. Je vous présente la référence absolue en jeu et amusement. Moi-même, Squadaleng, votre maître des quiz préféré. Vous croyez capable de retrouver le trésor? Un petit bon pot des coffres pour la route, ça vous dit? Oh, on n'a jamais eu ça. Ça, quel plaisir. Le temps de tout préparer, on démarre. Et on démarre. Tellement toi, bah oui. Le hasard a plutôt bien fait les choses pour ce coup-là. T'as vu, j'ai même pensé à Sea of Thieves, je t'ai mis un bandeau de pirate, quoi. Un seul essai. Ok. Gardez les yeux bien ouverts, ça va être incroyablement difficile. Vous l'avez? Bon, allez, c'est bon. Évidemment, c'est comme en un seul round, je pense. Formidable! Félicitations! Vous avez déjoué tous mes pièges, voici votre prix. À quand le Live Sea of Thieves avec des gens qui savent jouer, bref. Ah, c'est vrai que... Je suis pas contre l'idée, en vrai. Je suis pas contre l'idée. Mais il faut trouver les gens. Mais déjà, il y a toi, c'est déjà bien. Shadow, je sais pas s'il voudra jouer. Flora, elle a le mal de mer. T'es cool, ça fait longtemps. Autoriser les gens qui savent jouer. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué la dernière fois en plus. 1000 milliards de buts à bord. La texture de si curieuse, cette crème est une véritable énigme pour les papilles. Ça me rappelle une énigme. Il n'y a pas le gris d'analyse pour l'écrit. C'est un tel délice, le mystère a un goût de paradis. Il n'y a pas de pause dans le dialogue, je dois faire vite. Tiens, bonjour. C'est pas joué en plus du mal de mer. T'es dans une période de Sea of Thieves, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué là. Je suis peut-être tout serpé, le gourmet voyageur. Alors ce sera pas pour tout de suite, hein. À être enfin devenu un pirate de légende récemment. Oh, let's go. Attends, pirate de légende, c'est quoi déjà? Est-ce que c'est... Non, Athéna, tu l'as depuis longtemps, je pense, ça. Pardon, je vais éternuer. Ah, pardon. Rien ne procure plus d'émotion que les délices de la grande cuisine.
absolument que vous goûtiez vous aussi à ces émotions. Ça régale. Bon app. Ah, c'est ça, la fortune d'Athéna. Ah, je pensais que ça faisait longtemps que t'étais déjà... Parce que moi, je l'ai passé, ce cap, aussi. Bon, j'ai peut-être joué avant toi. C'est le fait d'être niveau 50 dans tous les... les factions. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. C'est pas des factions. Bref. Gelée de pêche. Bah ben voilà. Oh. Ok, ça y va juste à la main. Tu formais pas assez deux autres factions à part l'or. Ah ouais. Bah c'est vrai que si t'es avec des gens aussi qui avaient déjà passé, peut-être tu faisais juste des quêtes Athéna sans faire les autres. Ça n'a pas aidé aussi. De le faire en solo carrément. Bah, c'est bien, en vrai ça occupe. Mais moi j'aime bien le jeu, mais le PVP, je suis nul. J'arrive pas à le PVP, ça me saoule. C'est trop trop dur. Ah, personne ne l'avait passé, ok. Bon, c'est vrai que ça prend du temps, mine de rien. Ouais, vous... Ok, ouais, vous étiez pas non plus... C'était pas l'objectif, quoi. D'abord, se faire de la thune, évidemment. T'évites en général, ouais, j'évite tout le temps aussi. Mais dès qu'il y en a qui décident de te prendre en chasse, c'est finito, quoi. Tu peux pas les esquiver. Oh la vache, tenu clairement. Ça aurait pu être rare, moi aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé. Une fois solo récemment, face à trois espagnols. Bah moi, les seules fois où j'ai fait du PVP, c'était au tout début. Et c'était contre des Russes. Et on les avait explosés, en plus c'était assez drôle. Et il y a une fois aussi où des gens nous chassaient après une quête assez bien. Enfin, on s'était mis assez bien. Et j'avais sauté sur leur bateau en scred avec un baril de forteresse. Et du coup, j'ai one-shot leur bateau. C'était une brigue. J'ai one-shot la brigue avec le baril. Et on a récupéré leur petit loot. Ça, c'est cool, ça, en vrai. Oh non, ils se mettent sur la gueule. Arrêtez. Oh, ils nous éternuent dessus, c'est dégueulasse. Non, putain. Pourquoi je fais ça? Ah, il nous heal, lui, par contre, il nous met bien. Les nez, ils ont une forme chelou, ouais, effectivement. Aucune chance de gagner, mais tu voulais pas que tu prennes ton trésor. Ouais, je comprends. Faut balancer ton trésor à la flotte. Personne, si tu peux pas l'avoir, personne l'aura. Foncer en dehors de la map, ils sont grab. Tu les as tués les trois? T'es moqué? Ils ont pas eu ton trésor, putain, GG. Putain, stylé. Mais ils ont pas eu le trésor parce que t'as envoyé leur bateau crever en dehors de la map, ou... Ah oui, ils peuvent l'avoir, mais faut le mettre dans l'eau assez scred et pendant que t'es en face, ça la strat. Sortir de la map, là, aucune chance, ouais. Effectivement. Ah bah oui. Je crois que j'avais fait ça aussi une fois, genre ils m'avaient chassé pendant une heure. Et après j'avais décidé de juste sortir de la map, comme ça ils l'avaient bien dans le cul aussi. Ouais, c'est vrai, ça coule, mais il fallait le chercher. Ah mais c'est un jeu... Ça peut devenir tellement toxique, la tenue du PVP, c'est l'horreur. Allez, la tenue, c'est quoi? Voilà! Une tenue gratuite à 4600, on dit pas non. Par contre, en termes de design, c'est non. On reste sur le prêtre du soleil. Ah, Sea of Thieves, quand même. Me dire que c'est les mêmes développeurs que Viva Pignata, c'est un plaisir. Bien sûr, c'est ma référence plutôt que Banjo-Kazooie et Conker. Ou GoldenEye, même. Et voilà, niveau 10. Bravo à tous. J'avais oublié qu'il avait du Shadow. T'as pas mes refs?
Banjo-Kazooie, tu connais pas, genre. On les fera en live aussi, bien sûr. Je les ai jamais fait en vrai. Ni Conquer. Les seuls jeux rares auxquels j'ai joué, c'est Viva Pignata, Grab It by the Ghoulies, que j'aimerais bien faire en live parce que je l'avais jamais fini. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Bah, Sea of Thieves. Ils ont fait Donkey Kong 64 que j'ai pas joué, GoldenEye j'ai joué un peu. Ça t'en a dégoûté carrément. Débloquer les quêtes d'Athéna, tu cherches désespérément des gens pour faire celles que t'as pas pu tester. Ouais, j'imagine. Heureusement qu'ils ont fait Sea of Thieves, ouais. Ça faisait longtemps qu'ils avaient plus rien fait. Ah, tu connais deux noms quand même. Mais ils ont fait des sacrés bangers quand même. Ok, il faut que je switch. Je vais aller avec le Sebaba. Mais bien Tsada, ça donne quoi? Ça donne Fur. Non, ils sont déjà niveau 10. Shadow Ansada. Shadow Ansada. On a de la thune. S'il a toujours la classe, c'est Baba, c'est vrai. Ça, c'est les lunettes. Hein. Qui c'est qui veut du thé qui pue? Shadow. C'est sûr qu'il a le kiffé. Sandwich. Plus de PV pour Myria. Voilà. Les contrôles dans l'eau. Infâme, le fait de tout perdre dans un monde quand tu meurs, etc. On parle de quoi? De Sea of Thieves, toujours? C'est Baba et Nibi qui sont méga stylés. C'est vrai qu'ils ont la classe, mais t'inquiète. Y a Shadow aussi. Non, Banjo. Ah oui. Ah, j'ai pas assez joué à Banjo. J'avais commencé il y a longtemps sur émulateur, mais... Là, je les referai sur le Switch Online, je pense. Nintendo Switch Online. En live, évidemment. Non, je suis con, j'ai le Rare Replay. Sur la Xbox. J'ai pas besoin, en fait. J'ai pas besoin de voir. Ça, j'aurais tellement voulu qu'ils sortent ça sur Switch aussi, le Rare Replay. Mais non. Mon rêve de jouer à Viva Pignata sur Switch, s'estompe. Avec les miettes soleil, couleur brune chelou et vert. Non, il aime bien. Ouais, Sea of Thieves, c'est incroyable. Ah, moi, j'y joue à la manette, par contre, c'est clair. J'ai quand même l'impression que ça a été plus pensé pour jouer à manette. Après, ouais, l'aspect FPS et PVP FPS, c'est vrai que voilà, quoi, mais... Est-ce qu'il va enfin acheter son putain de micro? Non. Tant pis. Ah, mais Flora, mais t'es si loin. T'es si en retard. Qu'est-ce qui se passe, là? Son repu. Pétale de rose, c'est pas beau. C'est vraiment pas très beau sans la coiffe. Arrive à courir à la manette? Oui, en appuyant sur le joystick, ouais. Plus adapté clavier-souris. Bon, en vrai, je pense que les deux styles s'adaptent assez bien. Mais vu que c'était une exclu Xbox, je pense qu'ils avaient un peu focalisé les deux en même temps. Mais non, la manette, j'arrive à tout faire. Pour courir, il me semble que t'appuies juste sur le joystick classique, quoi, comme dans tous les jeux. Pour la plupart des jeux. Oh non. Oh la vache, c'est quoi encore tout ça? J'ai qu'un seul portail en plus. Ah, j'étais curieux, ça donne quoi ça? C'est juste pour s'envoler, hein? Ouais. Ok. C'est bon à savoir. Bon allez, essayons de finir cette quête avant la fin du live. Pour voir ce que ça donne. Touche d'interaction. Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, la roue des armes et de sélection des objets, j'ai l'impression que c'est plus pensé pour les manettes.
Quoique avec le clavier, t'as peut-être les touches numériques en fait. Oui, c'est clair que dans des FPS, c'est discutable. Mais moi, c'est mon confort. En général, dès qu'un jeu est jouable à la manette, si c'est pas un jeu compétitif, je me permets de jouer à la manette, comme ça je suis mieux posé en fait. La roue, ça va très bien, ok. Ouais, les raccourcis clavier, c'est vrai. Ouais, c'est au confort de chacun, en vrai. C'est quand même bien d'avoir les deux options. Niveau 20, let's go. Des fois avec F, des fois avec E. Ah, c'est relou, ça. C'est quoi cet endroit? On était dans les plaines il y a un instant, et là, on est en pleine forêt. On trouve vraiment de tout ici. C'est délirant, Deliria, lol. Deliria, la maison d'Iniria. Délire. Si tu peux courir, c'est ok avec la manette. Oui, oui, tu peux courir. Bien sûr. Là, comme ça, j'ai plus en tête, parce que c'est un peu mémoire musculaire, mais il me semble que tu fais cliquer le joystick et tu bouges, et puis c'est bon. Ou alors, c'est peut-être avec un des bumpers. Possible. Oh non, mais non, mais putain. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais vous cassez les couilles. Pourquoi il fallait que ça tombe sur Jérémy? Avec moi. Oui, c'est tellement gratuit. Putain, voilà, il va me faire chier maintenant. Allez, bannis quelqu'un, voilà, très bien. Ous. Voilà. Je vais faire dans une cave, mais dans... Il s'en est jamais plein, hein. Il avait pas trouvé, il avait apparemment vu ça en cherchant sur internet. Ah bon? Trop bizarre. Il est sûrement juste pas doué. J'avoue que... Pourtant c'est une feat pure assez évidente, quoi. Ce serait bête de pas la mettre sur... Non, c'est sûr qu'on peut courir. Je joue que en manette, donc... Je l'aurais clairement remarqué sinon. Doua doua. Waouh, 5000 balles. Une fiole de culture. Allez. Les ailes de pharaon, c'est vraiment ignoble. Waouh, c'est dégueulasse. Et Shadow, il attendra, évidemment. On a de la bouffe. Vas-y, on fait ça vite fait. C'est un peu relou, cette histoire de bouffe, en vrai. C'est comment faire du Tomodachi Life sans faire du Tomodachi Life. Juste la feature de la bouffe. Ah, vous avez pas goûté à ça. Tiens. Oh, il y a personne qui a bouffé de ça. Vas-y, ça fait longtemps que je t'ai pas donné un truc. Pareil pour le rat. L'équipe, elle reste pareille, malgré Jérémy qui me fait la gueule. Peut-être que je vais me mettre avec lui, du coup, comme ça il va arrêter de m'emmerder. Allez, Flora, je t'échange avec ses babas. Hop. Et là, si on va là... Ah, il y a encore Squadala. Ouais, ce sera pour la prochaine fois, ça. On va focus l'objectif, je pense. Faut bien qu'on garde un peu des quiz pour tous les lives. Tant que tu dis des trucs racistes. What the fuck. J'ai plus le contexte, je sais plus de quoi on parle. Une question à propos des tanks. Oui? Tu es une machine, du coup est-ce que tu ressens la faim? Évidemment, comment je saurais que je manque d'énergie sinon? Tu sais, c'est juste une tenue. Hein.
Ah, tu m'as bougé chez Sebum. Je rassemble. Non, allez. Je vais... Ah, il va bannir directement, très bien. C'est simple et efficace. J'aime bien. C'est pas le moment. C'est marrant, pas vraiment. C'est pas le moment. On va me classifier après. Oh non, il aurait dû bannir lui. Oh, il commence à jouer en plus, ça casse les couilles. Ah mais attends, Tsada il peut réanimer. C'est vrai. Ah oui, Nebi, remacle, voilà. Jamais Flo-Flo verra la technique. De quelle technique on parlait déjà? Ah, ta technique à toi. C'est vrai. C'est bien dommage. Elle ne sera pas là au prochain live. Aïe aïe aïe. D'habitude quoi, bref. Zoom. Oh oh. Et allez. Prends ça d'abord, petit. Oh oui. Bravo. Ah oui. Oh, ça a déglingué tout le monde, ok. Que Nebi l'a fait jamais. Et en plus, ça va sortir de l'équipe après, quoi. Et on va en bas. Encore tellement de possibilités de pex, là. Oh, ça, j'aime bien. Ça peut faire mal, là. Ça va faire mal. Ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Oh là là. Tu vois. Dua 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 Lipa. Trop drôle. Je suis trop marrant, putain. Bla bla bla. On a tout déjà vu 150 fois, surtout moi. Super. C'est vrai que t'as pas le temps de finir ta technique, on finit les combats trop vite. Ah, ils vont arrêter de se faire la gueule. À la bonne heure. Je suis désolé, tout est de ma faute. Oh. Je suis vraiment une merde. Ineria et Diva ont une attaque vengeance, ouais. Ceux qui sont niveau 9 ensemble. Toi, Flora, je crois que t'es la moins sociable avec les gens en général. Hein. Désolé de te l'apprendre, mais... T'es celle qui a le moins... Bon, t'es celle qui arrive en dernier aussi. Ah, quoique. Quoique... Il veut du théodorant. Allez, j'en garde un pour moi. Introverti, la flotte. T'aimes personne, c'est vrai. Ça côtoie les gens que pour le chocolat, quoi. Bref, j'ai pas regardé les jeux. C'est nul. Prends que quand il y a des pures stats. Hop, Nebi, c'est ciao. Bienvenue, re-bienvenue, Diva. Après, c'est au tour d'Ineria. Inirkian. À part les fleurs, les plantes et le cheval. Le seul truc que Flora aime dans la vie. Ok, on va prendre le coffre quand même. Du coup, c'était bien l'autre chemin. Ça dégoûte. Allez! Encore? Ah, c'est juste le coffre. Ok, très bien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Oh non, non, mais ça va être encore quelqu'un de l'équipe. Ah non, ça va, c'est Fagno. Ça va, il est pas dans l'équipe. Hi. Oh, ça discute. Jérémy va donner un cadeau à Flora. Incroyable. Elle se met. Eh oui. Je classe les jambes. Un anneau en or, wow. Ça vaut cher, ça, vend-le.
Vendez-le, merde. Tu m'as le trait de ton dodo. Bah non, c'est juste qu'il est pas dans l'équipe, donc ça va. Ça aurait été n'importe quel autre d'entre vous. J'aurais dit pareil. Il y a le Covid qui tourne, quoi. Shadow est jaloux. Arrêtez de vous engueuler, là. C'est pas possible. C'est trop cher. Ouh, ça va être trop cher aussi. 5000 balles. Oh là là là, un obus fusé. Incroyable. Ouh, les stats. Oh là là, les stats. Oh là là. Oh là 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 là. Non, 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 non. Mais... Non, mais c'est pas possible. Oh, j'hyperventile. Je vais me foutre en l'air. Ok, bon, au moins on a ça. Ah, mais c'est le truc qui vaut que dalle en plus. Mais ça vaut de la merde. Oh non, je suis dégoûté, j'avais oublié. Tu gardes ton bâton du soleil. Je vais lui sortir à la prochaine bagarre de rats. Allez, non, on joue pas, je m'en fous. Gagner 3000 balles vite fait, là. Enfant du soleil. Nanana, je connais pas la suite. Il est niveau 17. Alors ça dégage pour le suivant. La suivante. On n'a plus de support. On va se faire péter la gueule. Et ben on est obligé de passer par là. Eh bien, passons par là, mais on n'arrivera pas avant la fin du live. Lol. Qu'est-ce qui fait chaud? Dire que tout à l'heure, on était dans une jolie forêt bien fraîche. Et maintenant, nous voilà dans un désertoroïde. Rien d'étonnant, Adeliria. J'ai beau me dire que l'endroit mérite bien son nom, j'ai toujours peur que la prochaine surprise ne nous soit fatale. En d'autres termes, je voudrais bien que le délire se calme un peu, là. J'ai pas envie d'entraîner les autres classes, en vrai. Enfin, j'ai pas vraiment d'intérêt à switcher de classe. Une chaise, enfin. C'est un cactus, voilà. C'était bien. J'ai apprécié me faire piquer le cul. C'est pour repartir sur la classe de chat, là, c'est bon. Hein. Un peu dommage que j'ai pris la classe de chat, du coup, parce qu'on la voit plus. On n'a plus trop l'occasion de gaulerie là-dessus. Je sais pas qui j'aurais mis la classe chat, en vrai, à part moi. Vous auriez vu qui en classe chat, vous? Le cuisinier, ouais, le cuisinier est sympa, mais bon... Le tank, quoi. On va faire des dégâts. Ah, du coup, faire ça sans vénérer les gens, c'est trop bien. Ils sont 600. J'avais oublié. Shadow à défaut de rat. Ah, ça. Ça, c'est Jérémy qui va partir de l'équipe. Quels sont les cris des autres persos? Alors, Jérémy, il a deux doigts de liquider mon prénom. Moi, j'avais mis « Donnez-moi votre argent » en majuscule. Fagno, c'est pour la team. Flora. Flora, qu'est-ce que je t'ai mis déjà? C'est une bonne question. Est-ce que je t'ai mis un truc? Je t'ai peut-être... J'ai pas mis à tout le monde encore, je crois. Diva, c'est pour la Sainte Flamme. Shadow, on l'a vu avant. Ansada, c'était une blague sur le fait qu'il voit rien avec ses cheveux. C'était « Est-ce qu'on a gagné ?» Parce que voilà, je trouvais ça marrant. N'hésitez pas à rigoler. Nebi, c'est du texte qui veut rien dire. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Je sais pas. Je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est vrai que Flora, je sais pas. Est-ce que je t'ai mis un truc? On va regarder après. Quand on sera à l'auberge. Déjà, on va monter la salière. Bah super, non mais c'est sûr, j'ai dû te mettre un truc. Ou alors t'étais juste pas dans le cornus à ce moment-là.
Ouh là là, la team qui va switcher. Bah tiens, tu vas être dans la team. C'est genre F, 3 petits points. Ah merde. Ouais, voilà. Ah, Fanyu est de retour. Ah, il a guéri vite, en vrai. Tant mieux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Je vais réussir à articuler, mon dieu. Bon dieu, alors. Regardons rapidement. Flora Berlin. Ah non, tu n'as rien, effectivement. Peut-être la dernière à qui j'ai pas encore fait. Ouais, sinon ils le disent tous. Voilà, c'était... Oh non. Shadow, c'est la grosse mythe ultime, voilà. Divarine pour la Sainte Flamme. Donnez-moi votre argent. Je voulais mettre tout votre argent, mais ça rentrait pas. Farine. Pourquoi Farine? Ah oui, pour le F. Hasta luego, c'est pas mal. Je sais pas, écoutez, je sais pas trop. Xuxi et Saucisson. Du coup, c'est vrai qu'il nous manque Flora. Qu'est-ce qu'on met pour Flora? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que je galérais à trouver déjà de l'inspi. Meilleur ami Fagno, ah bon? Ah oui. On va remédier à ça, évidemment. Comment ça, je suis pas le meilleur ami de Diva? Comment ça, il y a quelqu'un pour qui je ne suis pas le meilleur ami? C'est n'importe quoi. Flora, meilleur ami Shadow. Eh ben, dis donc. C'est n'importe quoi. Non, tu sais pas. Bon, écoute, je ferai ça hors stream, c'est pas grave. Parce que là, on arrive à la fin. On va faire encore un dernier niveau. Ah oui, ça dégoûte, hein. Ça dégoûte, hein. On va juste faire encore un dernier niveau. Toi et moi... Ah oui, j'avais pas vu. Nebi. Mineria. Divarine. Voilà, c'est les liens de la Belgique. Hop, 4100. 4600. Et moi, c'est 5000. Allez, par pitié, prends-le. Je vais crever. C'est ça ton... guerre. Je veux crever. La fleur... pas très joyeuse, hein. Je crois que je voulais mettre un truc à la base, genre merguez party. Bah écoute, on va faire un niveau. Et tu me diras ton choix final. Si tu trouves quelque chose. Donc Diva, ça part... Jérémy, ça reviendra à la fin. Comment ça se fait qu'il était encore niveau 15, lui? On prend Flora. Flora de Berlin. Et pourquoi pas Nebi? Ouais, Nebi. Merguez parti, voilà. Au moins, c'est clair. Bah écoute, on fait un niveau. Prochaine auberge. Ah bah écoute, ça va être ça le niveau, en fait. On se garde le jeu de quad pour le prochain live. Pour le début de lundi. Mardi, c'est mardi, Mythopia. Ça va, c'est pas que le coffre. Il y a quand même du combat. Glyphe argent. Oh, une nouvelle technique. Méga foudre. Ouh. Ça fait mal. Allez, bib. Allez, ça monte. Rafale florale. Oh oui. Oh oui. Oh oui, c'est le moment. Je m'emballe qu'on a encore des combats après. Missile armé. Qu'on finisse là-dessus, c'est parfait. Héroïde en formation. En stage. Ça a même pas suffi. Et voilà. Magnifique. D'après Hamburger, quoi.
Gonna get some burger. Yes. C'était ça le coffre? C'est un peu de la merde. Ah ok. Vas-y, on va en bas cette fois. Évidemment, j'ai plus de PM. Je vais manger un bonbon PM, comme ça je les utilise un peu. Ouf. Allez, ça soigne. Ah non. Ok, ça commence à devenir un peu craignos. J'ai 100 PV. Mais ailleurs. Ah, merci. Je vais quand même manger un bonbon PM. Comme ça, on les améliore. Oui. Merveilleux. Voilà. Mais quelle team. Merde. Ah, j'ai appuyé trop vite. Me donne tous les trucs bonus. Bon, c'était pas énorme, je crois. Qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, très rare. C'est de la bouffe, mais bon. Ok, pourquoi pas. Ok, let's go. Ah, voilà, j'ai bien fait. Et oui. Et voilà. Je sais pas si je vais farmer encore en offline, peut-être. Il y a moyen. Et quelqu'un qui te plaît, ne compte pas. Bon, c'est très bien qu'ils vont rien dire. Bon, c'est cool, ça monte. Très très bien. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Costume de prince, waouh. Qui c'est qui veut un costume de prince? Peut-être Nebby en vrai. Ah non. Costume de prince en fait. Et on n'a pas assez de moulaga. Donc ça va être vite vu. Donc Flora, c'est merguez parti. Hein. C'est qu'il y a très peu d'attaques. Ouf. Allez. Allez, on régale. Bah, c'est dégueulasse. Super. Jus de cactus, étoile. Yarrow toast. Le thé pour Flora. Et c'est la merguez. Merguez parti. Et on va préparer après pour un raid. C'est qu'on va raid, les amis. J'ai pas Twitch sous les yeux, là. On est quoi? On est jeudi soir. J'ai pas d'idée. Je sais pas qui stream le jeudi. Mais il y a toujours Rob Mousse, en fait. Il est tout le temps en live. C'est le seul... Je sais pas si peut-être si vous avez quelqu'un d'autre pour qu'on change un peu, quoi. Enfin, je vous envoie à chaque fois sur du Elden Ring. Détail, ça monte quoi? Je sais plus. Attends, voilà. Me concentre. Je remplis. Voilà. 26 caractères. Ça marche, pas de soucis. Merci en tout cas d'être passé, squad. Tu décèdes, bonne nuit. Bah écoute, je vais pas tarder aussi à décéder. Tu peux vérifier? Oui, je peux vérifier, bien sûr. Oh. Ouais, ok, c'est les stats, techniques. Classe fleur. Action avec le cheval. Action duo. Ah, et on voit avec qui c'est. Bah tiens, attends, Fanny, on peut voir si t'as l'action avec le cheval, par contre.
Non, tu vois, t'as pas l'action. Il y a que moi qui peux avoir l'attaque spéciale en fait. C'est un peu dommage en vrai. Merguez parti. Voilà, ok. Ta personne arrête de ton côté, très bien. Dommage. Joueur du grenier en vrai. Non. Je sais pas, Zerator. J'ai que des gros streamers qui streament là, par Robmousse. Et on peut observer un petit peu, parcourir. Je suis pas très doué pour ça, mais. Il y a un jeu que vous voulez voir en particulier? Moi j'ai vraiment pas d'idée là. Outer Wilds. Non mais. Ah non, mais du coup vous avez le son. Ah déjà je vais arrêter la VOD, au revoir YouTube.